On peut encore espérer une élection sans Mélenchon, sans Le Pen, sans Zemmour, sans Poutou, sans Taubira et naturellement sans moi. Au 16 février 2022, à mi-parcours du parrainage, débuté le 27 janvier et se terminant par la réception du 4 mars au Conseil constitutionnel, on peut donc encore espérer la non-qualification de Mélenchon, Jean-Luc, qui est à 332, Le Pen Marine à 331, Zemmour Éric 250, Asselineau François 210, Poutou Philippe 188, Kasi Banas quand même à 116, je ne connaissais pas avant, Taubira Christiane à 73, oui, comme moi, elle est partie un peu tardivement, enfin moi j'étais parti depuis juin, mais personne ne l'avait vue. Pour Pécresse Valérie à 1824 et Macron Emmanuel à 1260, Hidalgo Anne à 1007, c'est fait comme pour Artaud Nathalie à 509. Et sur la bonne voie pour Fabien Roussel à 492, Jean Lassalle, oui Jean Lassalle toujours, à 471 et Yannick Jadot à 450. 8076 parrainages publiés. Alors qu'en 2017, 14 296 avaient été validés, nous sommes bien, peu importe la manière d'observer, environ à mi-parcours. L'absence de ténor permettrait peut-être une prise de conscience du fonctionnement de notre prétendue démocratie. Quant à moi, je viens seulement d'être ajouté par Libération à sa liste des candidats déclarés, ainsi passé de 45 à 46. Oui, je suis le 46e homme. Et mon bouquin du candidat de lettres face au pilier de la voix reste invisible. C'est un peu la présidentielle qui déteint sur les municipales ou à Montcuq en Quercy Blanc par l'intimidation et le mensonge. En 2020, le maire est parvenu à rendre impossible toute liste d'opposition et fut donc réélu avec 100% des suffrages exprimés dans l'indifférence nationale pour hashtag dictature rurale. Quant aux élections départementales et régionales, les installés furent rarement inquiétés. On en est là. Certains continuent à voter, moi pas. Donc je vous encourage à ne surtout pas voter. Et oui, vous, ce jour-là, vous pouvez être en marche, c'est-à-dire par exemple tourner autour des bulletins, tourner autour des salles, ou simplement vous promener.